Andy, le cross, clash son rival Greg, la drogue lui monte au cerveau. Après le succès des 50, W9 diffuse actuellement la 7e saison du cross baptisée pour l'occasion les Marseillais vs le reste du monde vs les motivés. En effet, une 3e équipe s'est greffée à la compétition cette année, celle des Ch'tis. Avec Christophe, figure emblématique des candidats du Nord, qui officie en tant que chef. Sur la ligne de départ du RDM, nous retrouvons Alan, Kayla, Clarisse et Nicolo Ferrari. Qui veut prendre la place de chef de Nicolas Lezina? Les Marseillais sont arrivés sur le tournage dans cet ordre-là, Julien Tanti, Greg Yoga, Océane Elimé, Victoria Mo, Andy et Maëva Guenam. Enfin, l'équipe des motivés est composée de Célia, Michel, Nicolas, Eva et Christophe. Comme vous l'aviez sûrement déjà remarqué, ce n'est pas le grand amour entre Greg et Andy. Pourtant dans la même équipe. D'ailleurs, les deux candidats se clashent actuellement sur les réseaux sociaux et ça va loin. Vous connaissez évidemment la relation tumultueuse entre Maëva Guenam et Greg qui a duré plusieurs années. Aujourd'hui, les deux amants terribles sont liés d'une forte amitié, mais lorsqu'il était toujours amoureux. Maëva a eu une histoire avec Andy, ce qui a titillé la jalousie de notre bébé au national. Dans la nouvelle saison du cross, Andy Andreassian est de retour dans l'aventure. Une présence qui ne semble pas enchanter Greg, qui ne perd pas une occasion de le critiquer en interview. Lors de la dernière épreuve sportive, l'ex de Maëva balance, celui que j'ai envie de mettre au piquet. C'est Andy. Il est plein de muscu, plein d'épaules, plein de ci, plein de ça. Point. Écoute mon petit poteau, je vais te montrer c'est qui le patron chez les Marseillais. En découvrant les images diffusées hier soir, Andy n'a pu s'empêcher de répondre, il veut quoi la plus grosse dinde de Marseille? C'est facile de parler par derrière et après quand il me voit à Marseille. Il court. Arrêtez de vouloir vous comparer à des gens si vous êtes mal dans votre peau. Il ne faut pas s'en prendre aux autres. Je suis de mon côté, j'essaie d'avancer sans freiner personne. Guillaume. Frémifram. Si les internautes n'ont vu que cette réponse d'Andy, sachez que le candidat des Marseillais a supprimé une story bien plus virulente enregistrée par le compte Instagram @clash2cassotv. Pourquoi vouloir toujours se comparer à moi? Je suis une personne simple. Faut qu'il arrête les mecs, je veux faire mieux qu'Andy. Je veux être mieux qu'Andy. Je ne suis pas une référence, tranquille avec moi. S'il y a des antécédents, on les a réglés. Stop. À mon avis, je crois que c'est la drogue. C'est monté au cerveau. Après les gens, ils ont un manque de confiance en eux. Ils se prennent pour je ne sais pas qui. Il faut arrêter la drogue. C'est trop. Doucement, à consommer avec modéré ou pas du tout. Guillaume. Alors, Andy a-t-il supprimé sa story après un coup de pression de son rival ou s'est-il rendu compte qu'il est allé trop loin? En effet, Greg a souvent été accusé de consommer. On attend toujours sa réponse d'ailleurs.